Hello, encore une petite vidéo sympa pour vous dire que ça va, c'est beau. Après avoir testé pas mal de liquide sur le nouvel appareil que j'ai acheté. Donc c'est le Aspire BP Stick. Je tiens à faire la comparaison avec un liquide, avec un autre appareil comme le Dragix de Vopo là. Lui, il est plus léger, il est plus maniable. Bon, après, je vape un autre liquide que l'autre fois. Je vais vaper le Black Ice de Vampire Vape. Donc voilà. Je vous en donner des nouvelles. À titre de la comparaison avec entre les modèles de différentes marques, de différents. C'est une vape assez fluide, comme je vous ai dit. L'airflow est bien ouvert. Ça passe, hein. Ça passe, ça passe. Alors j'aime bien présenter des choses originales sur ma chaîne. Vous voyez, j'ai besoin d'ouvrir un peu l'airflow. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin d'ouvrir un peu l'airflow. J'ouvre l'airflow. Même si. Voilà, un tirage aérien. Sur un liquide assez frais, donc voilà. Ah, pour le coup, là, avec le je fais la vidéo dans la journée, comme ça, gagne, enfin, je fais autre chose le soir. Ou alors, j'en ferai une autre plus tard, je sais pas. Je ferai une autre vidéo plus tard. Ceux qui ont vu que j'ai acheté une bouteille de JB là, peut-être qu'on fera une émission spéciale rien que pour vous. On fera une émission rien que pour vous la team. Enfin, parler du JB. Je sais pas. Il y a le temps, hein. On n'est pas pressé. Ouais, il passe comme appareil, comme si comme vape, cette vape elle passe bien, hein. Avec un liquide original, avec un juice original, ça passe. Ça passe. J'ai remarqué que ça plonge un peu les liquides quand même. Les liquides, ils plongent un peu, quoi. Mais pas plus de 2 ml et les 2 ml, ils partent assez rapidement, quoi. Ils partent assez vite, quoi. Par contre, contrairement à un modèle Vopo comme ça, où il y a. Attendez. Parce qu'il n'y a plus de batterie là. Si. Je l'avais éteint. Là, il y a le compteur de puff et le temps des puffs. Et il y a tout qui est indiqué sur celle-là. Vous voyez? Tu vois, il y a tout qui est marqué là-dessus. Elle est plus lourde, il y a un accu, il y a une batterie. Ça, c'est plus.
Voilà. C'est plus léger, c'est plus. C'est pareil, hein. Ça ressemble. Chambre l'air flow, c'est pas pareil. Ça va dépendre des juices, quoi. Ça dépend. Là, l'air flow fermé. Ouais, c'est tranquille, mais. Peut-être ça dépend des liquides. Il y a des liquides, on aime bien un peu d'airflow. Il y en a, on aime l'airflow serré. Ouais. Ouais. À titre de comparaison, qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? Ah ouais, du Malibu. D'accord. Jamais quand même à charger. Bon ben mon avis là-dessus c'est que c'est un bon matos quoi. Le BP Stick de chez Aspire c'est un bon matos. Il fait son taf, il fait son boulot quoi. Une vape de plus quand j'ai une vape à charger, bah j'ai une vape de plus. C'est cool, hein? C'est super. Ça me fait une vape de plus quand j'ai besoin de charger une vape, celle-là. J'ai pas besoin de changer de batterie, j'ai pas besoin de vérifier un truc, quoi. J'ai pas testé le Malibu encore sur celle-là. Je vais le tester juste après.
Ouais. C'est vrai que ça, c'est de la vape plaisir, hein. C'est vraiment de la vape plaisir. Allez, on prend un petit GB. Vous visionnez ça. Une petite rasade.
Oh, en attendant. Même vous verrez mieux si je ferme la, si je ferme le store. Hein. Même vous verrez mieux. Hein. Pas forcément beaucoup plus. Mais... C'est déjà mieux. Alors moi le gibier ça sert de digestif. C'est un bon digestif quoi. Bah ouais, ça... c'est efficace. Quoi. Alors, leur mettre au frigo quand même. Je vais quand même leur mettre au frigo. Du coup, je change de liquide. Je passe du Black Ice au Malibu. Beaucoup de liquide, beaucoup de liquide étranger. C'est des liquides. C'est de l'import. C'est des liquides de vapoteurs, hein, de vendeurs, de boutiques. J'achète. J'ai pas acheté sur Internet. J'ai rien contre. J'ai rien contre l'achat sur la toile. Mais c'est vrai que le contact avec les vendeurs, c'est important. Leur opinion, leur. Faut que vous contactiez des, faut que vous achetiez vos. Vous ayez l'opinion d'un bon vendeur. D'une bonne boutique. Quelqu'un qui s'y connaît, un professionnel. C'est mieux que d'aller sur la toile tous les jours.
C'est mieux que d'aller acheter des liquides sur la toile, à part si on est. Si on veut quelque chose de bien précis, quoi. C'est sur Internet, c'est là qu'il y a le plus de choix. Hein. Pour la vape, c'est là qu'il y a le plus de trucs. En petit flacon, grand flacon. Sur la toile, là, il y a tout le choix. Là, il y a le choix que vous voulez. Hein. Une fois que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez aller sur la toile. Pour acheter sur la toile. Moi, j'aime bien quand même avoir le contact d'un quelqu'un qui connaît bien le produit. Quelqu'un qui connaît le truc. Bien. Après, on se fait ses propres. On a nos propres convictions. Quelqu'un d'autre peut nous apporter, peut compléter ses convictions. Enfin, on peut en avoir d'autres encore. Encore d'autres. On peut encore en avoir d'autres. Eh ouais. Là, ce liquide est super aussi. Fruité, sucré, légèrement frais, comme un cocktail. C'est de la patate, c'est de la bombe. Celui-là est excellent. Malibu de chez Alo, il est excellent. Excellent. On ne le trouve pas partout. Dans le commerce, on ne le trouve pas partout.
Comme quoi ça rend ça, ça... ça remplace vraiment vraiment bien tabagisme à la place du cigarette électronique, la vape. Avec un bon jus, ça remplace bien le tabagisme. Ça apporte un petit tonus en plus. Au lieu de rester affalé dans le canapé. Qu'on n'a pas le droit. Hein. C'est bien hein, quand même. Ces trucs-là. Bref. Flûte. Faut toujours trouver un bon équilibre entre du bon matériel et un bon liquide. Un bon e-liquide, une bonne e-cigarette. Et puis normalement, vous commencez par diminuer le tabagisme. Puis après, vous vapotez régulièrement à un haut taux de nicotine, hein, 16 ou 12. Puis après, vous baissez progressivement 12, 6. Puis après 6, puis après 6, puis 3. Ou... Après 6-3, puis après 3. Bon. Cette vidéo, elle est un peu longue pour vous là. Donc, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Bon visionnage. Ciao, la team. À plus. Ça m'a fait très plaisir de faire une vidéo avec cette nouvelle vague. Salut.